Dans cette vidéo, nous allons voir où sont configurées les corrections de fautes de frappe sur le logiciel de traitement de texte de Microsoft, Word. Comme vous le savez, sur Word, il y a certaines corrections automatiques de fautes de frappe. Par exemple, si je viens taper abscisse mais sans S, eh bien ça va automatiquement me rajouter le S. Donc pour pouvoir voir la liste des corrections automatiques qui sont réalisées sur Word, vous allez sur l'onglet Fichier en haut de l'écran, puis vous allez sur Options. Dans la page qui vient de s'ouvrir, dans le panneau de gauche, vous allez sur l'onglet Vérification, puis vous cliquez sur Options de correction automatique juste ici. À ce moment-là, dans la section Correction en cours de frappe, eh bien vous avez le dictionnaire des remplacements qui sont réalisés. Comme vous le voyez, million avec un L va être remplacé par million avec deux L, etc. Et vous pouvez d'ailleurs en rajouter. Par exemple, si vous savez que vous faites souvent une faute de frappe en particulier, eh bien vous avez juste à mettre cette faute de frappe juste ici dans la section Remplacer, et dans l'autre section Par, eh bien vous mettez le vrai mot, sans la faute. Et puis vous cliquez sur OK, puis OK. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.